Johansen. Mais voilà. voilà. Lenny Martinez sur la ligne. Qui pensait passer la ligne d'arrivée en premier, qui a levé la main. Et derrière. Oui, Martinez, il est constant. Il est. Après chaque course, tu sens qu'il a pris un petit peu d'assurance, qu'il a pris un petit cran. Une saison qui semble bien, très, très bien se passer pour lui. Il est au niveau où on pouvait l'attendre après son Tour d'Espagne l'an dernier. Est-ce que ce sera sa dernière à la Groupama FDJ? J'imagine que tu as entendu parler de toutes ces rumeurs sur le potentiel départ à la Bahrain C'est Victorious. des rumeurs ou pas des rumeurs? Les rumeurs, on ne donne jamais la source. Et ça, c'est très inquiétant. On nous dit que, moi j'ai toujours envie de dire, c'est qui on? Je pense que c'est tout à fait légitime. Alors maintenant, est-ce que Marc aura deux choses, l'envie de le garder, et s'il a l'envie de le garder, est-ce qu'il aura les moyens de le garder? Et ça, ce n'est pas des rumeurs, c'est de la réalité. Est-ce que c'est pas inquiétant justement pour la Groupama FDJ de ne pas réussir à garder une de ses pépites qu'elle a depuis seulement 1 ou 2 ans au plus haut niveau? Marc Madiot avait parlé du projet Conti et du projet de faire développer les jeunes. Et au final, ce projet semble tomber un peu à l'eau financièrement. Il en restera toujours quelques-uns.